Atelier Géodesign, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation d'un covering réalisé sur une Triumph Truxton RS qui m'a été confiée par la concession Triumph qui vient d'ouvrir dans la zone d'activité Porte Verte à Pulnoy, derrière Dafy pour ceux qui connaissent. Alors, la carrosserie était noire brillant et le client voulait changer la couleur de la carrosserie. Donc noir brillant, tous les éléments de carénage, sauf le réservoir qui lui était chrome. D'ailleurs, la demande initiale était de faire un covering chrome, sauf que je lui ai déconseillé, et même techniquement, je suis pas sûr que j'aurais pu le sortir aussi net que l'alu brossé. Donc techniquement, vous imaginez bien que cette bulle, ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc l'idée était de faire un rappel de chrome, puisque encore une fois le réservoir l'est, et ça m'a permis de faire une transition entre la partie haute et la partie basse du carénage. Sans ça, je ne pense pas avoir pu réaliser ça en un seul élément. Et puis, deuxième point, les stries auraient été beaucoup plus déformées, puisque je suis obligé d'aller du dessous au-dessus. Et on s'aperçoit que les stries viennent bien dans ce sens-là ici. Et donc au milieu, j'ai décidé de les faire horizontales, verticales, pardon, alors qu'à l'inverse, en bas, elles arrivent de gauche et de droite, donc je suis resté horizontal. Tout ça est bien technique, n'est-ce pas? Et bizarrement, ce sont ces deux carters, gauche et droite, qui m'ont donné le plus de mal, puisqu'on doit vraiment faire des retours assez abrupts. Et enfin, le capot de selle. Donc, je suis vraiment content du résultat, parce que cet alu brossé a vraiment une jolie finition. Et puis pareil, la contrainte a été de faire les champs, puisque si j'avais bavuré ici, on verrait l'épaisseur du matériau en noir brillant. Et ça aurait fait très moche. Également à l'intérieur. Donc voilà un joli projet encore, avec des belles tongs aux pieds. Et puis c'est tout. Donc en souhaitant que celui-ci vous ait plu, un grand merci à Thomas, qui m'a fait confiance pour ce projet. Thomas Triomphe Nancy. Et en souhaitant que ça en amène d'autres. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!